j'ai mon palmarès, je suis multiple champion de Belgique en simple et en double, et multiple titre en simple et en double, dont un grand titre en simple en Italie, et je suis double vainqueur de la Coupe du Monde par équipe en 2005 et 2006. Donc j'ai contracté la polio à l'âge de 9 mois à la jambe droite, ce qui fait que pour me déplacer, j'ai beaucoup de mal et je boite beaucoup. Pour moi, c'est naturel de faire le sport et le handicap, c'est un moyen pour nous de nous dépasser, de montrer qu'on est capable de faire autre chose. Et justement, je leur dirais de se dépasser, de bouger, de commencer à faire quelque chose, surtout de faire du sport, c'est un moyen pour nous justement de nous dépenser, vu qu'on est en fauteuil ou on est debout, on a du mal à se déplacer, c'est vraiment un moyen pour nous de faire quelque chose et de montrer qu'on est capable de faire quelque chose. Ça, c'est grâce à mon frère. Mon frère est un bon sportif, il a toujours fait du sport, j'ai toujours essayé de le dépasser. Et après, mon niveau a augmenté petit à petit. Et puis l'envie, le sportif veut faire quelque chose, veut partir au jeu. Et ça a été un rêve pour moi que j'ai pu réaliser déjà deux fois. Et j'aimerais maintenant réaliser un autre rêve, ramener une médaille. Mon plus beau souvenir sportif est ma première victoire en Coupe du Monde par équipe. En 2005 aux Pays-Bas, c'est pas qu'on était inattendu, mais on l'a fait avec la manière et ce fut un souvenir fort en émotion où on est vraiment passé partout par la joie, les pleurs, de joie bien sûr, mais c'était magnifique. Le sport m'apporte beaucoup d'émotions dans le sens où j'ai de la joie de montrer que je sais faire quelque chose et surtout le regard des autres est différent que oh, il fait pitié, et donc c'est toujours une joie, ça apporte du baume au cœur de savoir que les gens nous disent que c'est très beau ce qu'on fait.